L'archivage numérique, là, c'est l'on gagne premier et sans document, c'est papier, vous voyez sous format numérique. Donc, scanner. Mais l'archivage électronique, là, naissance document déjà de manière électronique. Chaka fè tout moun, bienveni nan Kroze Tech. Jodi an nou gen plezi akyeyi Catherine Bastien ki se yon administrateur rezo. Ki te resanman patisipe nan yon seminer sou archivaj numerik. Catherine, mersi paske aksepte invitasyon Kroze Tech la. Bonsoir Gaël, bonsoir tout moun ki branche Kroze Tech. Et mersi deja pou invitasyon. Donc, plus qu'un mois, donc c'était 5 semaines, 6 semaines de formation. Donc, on a été dans le cadre des archivages, archivages numériques, électroniques et les archives en général. Donc, on a eu une formation qui était intense. Donc, j'ai décidé de participer parce que je suis responsable pour mettre sous pied en bibliothèque numérique et faire archivage numérique. Donc, j'ai besoin de conseiller et comment ils ont fonctionné à l'étranger. Donc, c'est notre programme d'information. Hein? Donc, pendant 6 semaines, ils ont expliqué nous comment le français fonctionnait, comme c'est un stage international. Donc, nous avons plusieurs nationalités qui ont dit comment ça y est, bon, là, qu'il y a pas. Donc, en France, donc, ils ont fait un archivage, ils ont utilisé le cadre numérique et électronique. Donc, électronique, là, ils n'ont pas commencé trop longtemps avec lui, à savoir, archivage électronique, c'est l'heure où il y a un document de manière électronique dès le début. Ils ont fait archivage numérique tout, parce qu'on connaît la France, c'est toujours patrimoine, ils ont aimé conserver. Donc, ils ont fait archivage numérique tout. Mais à ce moment-là, leur fait numérique, là, ils ont fait appel à des prestataires, ils ont très cher. Ils ont fait le bouillon, parce que c'est rarement, ils ont un bureau, ils ont fait. Donc, c'est généralement ces prestataires qui ont fait le bouillon. Et puis, pour l'archivage électronique, là, il y a de concert avec les informaticiens. Il y a monté des systèmes en fonction de besoins. C'est comme ça qu'il y a des pratiques. Donc, c'est un ensemble de matériel et de logiciel également. Donc, matériel, généralement, on connaît pas de numérisation. Il y a un scanner, il y a tout un type de scanner en fonction de qui type de document on va numériser. Donc, nous gagnons, juste pour un exemple, nous gagnons des documents qui sont liés. Des fois, on va dire on va retirer les livres là, ce n'est pas évident, surtout si les livres datés de des années, donc on ne peut pas manipuler le livre. Donc, il y a des scanners qui sont là pour ça. Si tu as quelques feuilles numériser, ça c'est différent, on peut utiliser peut-être des scanners de tous les jours. Donc, c'est en fonction de besoin, on peut utiliser le matériel. Qui est très cher. Okay. Pour les logiciels, si c'est électronique, gagner des logiciels, gagner des applications à mettre sous pied en fonction de monde qui besoin là, de institutions qui besoin là. Donc c'est pas ma base où vraiment je dis bon, je vais utiliser tel logiciel ou pas. Mais c'est plutôt des applications que je et pour ça. Et l'offre numérisée. Je leur fais numériser un document, on ne peut pas mettre sous format PDF et de manipulation, on ne peut pas faire sous lui. On peut faire appel à des logiciels, on peut effectuer des recherches approfondies, donc on a besoin d'Atom de l'utiliser et en pile surtout au Canada. Donc, le logiciel pour Atom que vous utilisez, XMLEAD. Donc, c'est un logiciel qui permet de fin numériser les documents, donc vous pouvez faire des manipulations sur lui. Si par exemple, on a dit mon document sur l'histoire d'Haïti, ou besoin de côté des salines, t'es mort. PDF, là, on peut permettre de faire certaines manipulations. C'est difficile, surtout quand on a besoin d'approfondir PDF. Sous besoin de recherche avancée. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous utilisez Atom pour indexation. Ils ont utilisé XML, EAD. Donc, indexation, hein, c'est que vous avez un texte. Dans le texte, vous avez un droit. Par exemple, vous avez besoin de faire recherche sur date dans le document. Donc, partie qui a une date, c'est vraiment le travail. Vous cherchez partie qui a une date, là, vous pouvez mettre balise, date. Vous pouvez mettre balise, date. Donc, à ce moment-là, vous pouvez gagner. Et on recherche par date. Okay. Donc, à travers le document. Un peu de travail.
Si par exemple on fait la partie de non mounan, il y a une balise pour ça. Bon, premièrement, on a besoin de ressources humaines. Parce que on a besoin de former mon mieux premièrement. On va prendre les petits, on va numériser tout ça juste. Des fois, on a besoin de mieux confondre numérisation. Il y a besoin de penser que c'est scanner document. Ça n'a rien à voir avec tout scanner pour un format PDF. Il y a de manipulation pour faire ce document. Donc, on a besoin de ressources humaines pour former mon mieux pour montrer comment on peut utiliser le logiciel. Là. Et puis, ressources matérielles, on a besoin des scanners qui sont adaptés à. Et a besoin. Il est très important pour faire archivage numérique. C'est pour un bel exemple. On a gagné 12 janvier. C'est un exemple qui est personnel, pas un exemple qui peut être pour entreprise. Nous avons des documents, nous avons des actes de naissance, nous avons des diplômes. Donc, il est toujours bon pour document ça. Donc, vous gagnez son format numérique. Certes, vous n'avez pas le compte ça sur ce site, mais vous conservez. Donc, généralement, vous faites archivage numérique, archivage électronique, c'est pour faire conservation de documents. Mm-hmm. Et maintenant, pour l'entreprise, vous avez, l'entreprise fait commencer la bonne paperasse. Donc, qui exemple de cas prend avec vous, la l'archive nationale aujourd'hui, nous avons des extraits, nous avons des informations sur peut-être Force Armée d'Haïti. Donc, nous avons des informations qui datent de longtemps. Et tout sous papier. Donc, imaginons 12 janvier encore, vous avez du document ça. Donc, si vous voulez conserver, et après, on entend tout papier, on peut les jaunir. Mm-hmm. Pour gagner des méthodes de conservation. Pour un espace pour ça, pour gagner pour gérer incendie, pour gérer toute catastrophe naturelle et tout, et pour température pour le gain. Donc ça demande beaucoup en termes de place. Donc, qui ça vous fait pour gérer ça tout, yo numérité. Donc, soit pour l'archive nationale, il y en a dit, bon, la numérisé, les extraits. Ou qu'à prendre tout le matin, ou dit, ou numérisé. Yo gain, moniteur, yo. Mais il y a souvent besoin qu'on recherche sur moniteur. Il y a juste fait recherche, on dit bon, on a besoin d'un moniteur, telle date. Mm-hmm. Mais quand on a souvent un lombard qui est poussé, il y a plus compliqué. Yeah. On recherche sur un moniteur qui te parle de tel sujet ou de tel arrêté bien spécifique. Quand on arrête, ou quand on arrête, parce que même sur net, on peut être arrêté. Mais si vous parlez de manière approfondie, on ne peut pas faire indexation. Très difficile à utiliser pour le sauvegarder. C'est très utile. Donc, si par exemple, vous scannez des diplômes qu'on gagne, mm-hmm. parce que c'est une meilleure façon de penser pour protéger. Si vous avez une inondation, si vous avez un généralement, je vous dis, scannez au pire des cas, vous sur email. Vous prenez là. Sauf pour un cas de piratage, donc ça c'est difficile. Ok. Si on a un cloud ou vous voyez, donc vous connaissez, c'est sauf Internet qui a peut-être un problème, donc on a gagné quelque part. Mm-hmm. C'est toujours des intéressants documents importants pour apprendre à numériser. Donc, la première chose que j'ai dit, là, on a parlé de archivage, de technologie généralement. Technologie, il y a une loi. Mm-hmm. C'est penser à la loi, mettre en application. Des fois, la loi, on ne peut pas mettre en application, mais pour vraiment commencer à penser à des lois qui pour la technologie. Quand nous avons une signature électronique, là, c'est déjà ça. Mais il faut avoir des lois. Il faut avoir des lois qui concernent, ce n'est pas juste numériser le document, on mettait là, il faut sécuriser. Mm-hmm. Quand on note le mal visité institution publique, et il insiste pour visiter institution publique, ou après, automatiquement, on a un espace là, on va avoir accès à Internet. Ok. Pendant qu'il y a un espace, on a accès à Internet. C'est la première des choses. Qui ça m'a été remarqué, si on allait la défense, les bons gens, il y a des bagues, des documents, des données qui sont vraiment confidentielles, certainement. On est obligé de faire sécurité. Donc, tout ça, ce n'est pas juste numériser le document, mettre là, bien plus que ça. Si on peut gérer l'espace, on se dit faire entreprise en gagner un espace, quand on parle de tout faire, ça va prendre un temps, ça et on paye l'espace. Donc, numériser dans son façon pour faire l'économie dans ce sens-là. Et puis, pour la conservation, surtout papier, après, on peut le jaunir, on ne peut pas manipuler n'importe qui, former des gants. Donc,
manipulation est très importante. Donc, l'on numérise les ou qu'on manipule les gens. Si par exemple, dit ah, Gaël, mon document, la dame est partagée, bon, j'ai pas un document, pas pour moyen. Et puis surtout que ce livre-là, depuis des cas dit 1800-1900, il faut éviter mon yo et manipuler. Donc, c'est une autre raison encore pour numériser documents.